Divine Grace Gathering, the time has come for us to dive deep into the Word of God. Today, our topic is the King's Ring. Please help me welcome today's preacher, Prophet Rema Goy. Alleluia. 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 I want you to turn to your neighbor, please. Vous tournez votre voisin. And greet him, greet her. Et saluez-le, saluez-la. Please tell him I love you with the love of Christ. Et lui dire je t'aime avec l'amour de Christ. I love you with the love of God. Je t'aime de l'amour de Christ, de Dieu. For I see in you his glory. Je vois en toi sa gloire. Let us stand up to read the word today, church. Levons-nous pour lire la parole ensemble. I want to bless somebody with the word of God. J'aimerais bénir quelqu'un avec la parole de Dieu. Please read it in your version. Lisez cette parole dans votre version. I want us to read 1 Samuel. 1 Samuel. Chapter 15. 15. From 1 to 3. Verset 1 à 3. And then verse 8. Ensuite verset 8. The Bible says, Samuel also said to Saul, the Lord sent me to anoint you king over his people, over Israel. Now therefore heed the voice of the words of the Lord. Verse 2. Thus says the Lord of hosts, I will punish Amalek for what he did to Israel, how he ambushed him on the way when he came out from Egypt. Now go and attack Amalek and utterly destroy all that they have, and do not spare them, but kill both men and women, infant and nursing child, ox and sheep, camel and donkey. He also took Agag. Somebody say with me, Agag. He also took Agag, king of the Amalekites, alive, and utterly destroyed all the people with the edge of the sword. Now let us take Esther. Passons maintenant à Esther. Chapter 3. Chapitre 3. From verse to 4. 1 to 4. Verset 1 à 4. And then 8 to 10. Et ensuite 8 à 10. After these things, King Ahasuerus promoted Haman, the son of Amedata, the Agagite. Somebody say with me, Agagite. You understand that is a descendant of Agag. Yeah. Agagite, and advanced him and set his seat above all the princes who were with him. And all the king's servants who were within the king's gates bowed and paid homage to Haman, for so the king had commanded concerning him. But Mordecai would not bow or pay homage. Then the king's servants who were within the king's gate said to Mordecai, why do you transgress the king's command? Now it happened when they spoke to him daily and he would not listen to them, that they told it to Haman to see whether Mordecai's words would stand, for Mordecai had told them that he was a Jew. Verse 8 to verse 10. 8 at this. Then Haman said to King Ahasuerus, there is a certain people scattered and dispersed among the, all the people in the provinces of your kingdom. Their laws are different from all the other peoples, and they do not keep the king's laws. Therefore, it is not fitting for the king to let them remain. If it pleases the king, let a decree be written that they be destroyed. And I will pay 10,000 talents of silver, oh my goodness, into the hands of those who do the work to bring it to the king's treasuries. Verse 10. So the king took his signet ring from his hands and gave it to Haman, the son of Amedata, the Agagite, the enemy of the Jews. I want us to take the last scripture in Esther, chapter 8. Dans Esther 8. 1, 2, and verse 8. Verset 1 et 2. And on that day, King Ahasuerus gave Queen Esther the house of Haman, the enemy of the Jews. And Mordecai came before the king, for Esther had told how he was related to her.
So the king took his signet ring, which he had taken from Haman, and gave it to Mordecai. And Esther appointed Mordecai over the house of Haman. Verse 8. You yourselves write a decree concerning the Jews as you please in the king's name, and seal it with the king's signet ring, for whatever is written in the king's name and sealed with the king's signet ring, no one can revoke. Before you sit, I want you to help me turning to four people. Aidez-moi à dire à quatre personnes. No one will conquer you. Personne ne te no, fera speak to him as a prophet. Parlez-lui comme un prophète. Speak to him as a prophet of God. Parlez-lui comme un prophète de Dieu. Say to him, no one will conquer you. Personne ne pourra no te one échouer. Will conquer your family. Personne ne pourra faire échouer ta famille. No one will overcome you. Personne ne pourra te battre. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. You may be seated, church. We put our hands together for the Lord. Et acclamons pour le Seigneur. I want to talk in a few minutes. J'aimerais dire en quelques minutes. As I feel we need to pray and declare more. Car je sens que nous devons prier et déclarer. Over our lives and destinies. Et sur nos destinées. I want to speak about. J'aimerais parler. The king's ring. De l'anneau du roi. Or the king's signet ring. De l'anneau du roi. But before you understand the concept that I want to bring you through, de comprendre le concept que j'aimerais I want to make you understand the story of Haman and Mordecai, l'histoire de Haman et de Mardochée, where it started. Là où ça a commencé. Some of us, we all know the story. Certains d'entre nous ne connaissent pas l'histoire. How Haman wanted to kill Mordecai. Comment Haman voulait déjà and tuer how he wanted Mardochée. To kill the Jews. Il voulait tuer les Juifs. But this was not a simple jealousy. Mais ce n'était pas juste la jalousie. It is a fight. C'est un combat. Which took long for generation. Qui a duré pour des générations. It was a generational fight. C'était une bataille between Israel, entre Israël and Amalek. Et les Amalek. When Israel received the promise of God Israël a reçu la to go in the promised land, d'aller sur la terre promise, to go in Canaan, d'aller à Canaan, there was one people, il y avait the Amalekites, les Amalekites, they stood against Israel, ils se sont tenus to contre say Israel will not go into the promised pour land. Empêcher Israël d'aller dans la terre promise. I want to tell somebody, j'aimerais dire à quelqu'un, may everybody que toute who personne was standing in your way, qui se mettait sur votre stop chemin, you from moving forward, vous empêchait d'aller may de l'avant. The Lord make his judgment fall over him. Que le jugement de cette personne tombe sur lui dans le nom de Jésus. I thought I will hear a big je amen. Croyais que j'allais entendre un plus grand amen. In the mighty name of dans Jesus. Le puissant nom de Jésus. Amalek means Amalek signifie the people who dwell in the valleys. Les personnes qui restent dans la vallée. They don't belong to the mountain. Ils ne sont pas de they la montagne. They belong to the valley. Ils appartiennent à la vallée. And Amalek, in other words, et Amalek avait un means mot. The people who are humiliated. Ça veut dire les personnes qui sont humiliées. That's the symbol of the valley. C'est le symbole de la vallée. Their identity. Leur identité is humiliation. C'est l'humiliation. But because of that humiliation, mais à cause de cette humiliation, they didn't want to let Israel, ils ne voulaient pas qu'Israël get into the fulfillment of the promise. Soit dans l'accomplissement de la promesse. We have people, nous avons des personnes, they have been destroyed, ils ont été détruits, they don't prosper. Ils ne prospèrent but when pas. They see you prospering, mais quand ils vous voient prospérer, they become jealous. Ils deviennent jaloux. You didn't do anything bad to them. Vous ne leur avez rien fait de mal. But they're just jealous. Mais ils sont juste jaloux. Because they're in the valley. Parce que eux ils sont dans la vallée. And the Lord has promised you honey. Et que le Seigneur vous a promis du miel. He has promised you milk. Il vous a promis du lait. Sometimes. Certaines fois. People will oppose you. Les personnes vont s'opposer à vous. Even if you don't know them. Même si vous ne les connaissez pas. You don't have anything to do with them. Vous ne faites rien avec eux. But they just hate you. Mais ils vous détestent. You ask yourself, what did I do to this guy? Et vous dites, mais qu'est-ce que je lui ai fait? But they're hating you over nothing. Mais ils vous détestent pour rien. Hallelujah. Hallelujah. Have you encountered that type of attack? Est-ce que vous avez déjà eu ce genre d'attaque? There is just somebody who doesn't need to feel you around him. Il y a des personnes qui n'aiment pas vous sentir. So Amalek stood against Israel. Alors Amalek il s'est tenu devant Israël. Said, et il a dit, we are going to destroy these people. Nous allons détruire ce peuple. The promise that God gave them, la promesse que Dieu leur a faite, will never be fulfilled. Ne sera jamais accomplie. Just as you have enemies.
Vous avez there are people day and night. Il y a des personnes they qui are only meditating on how to destroy you. Ils pensent à comment vous détruire. They are just meditating ils veulent juste on penser how they can stop you à comment vous from arrêter achieving the vision of God. Pour accomplir la but vision I have de a Dieu. Message for those people. J'ai un message pour ces personnes. They have failed already in the name of Jesus. Ils ont déjà échoué au nom de Jésus. They have failed already. Ils ont déjà échoué. If Amalek, si Amalek is the people of the valley, ça représente les personnes de la vallée. Moses chose the mountain. Certains ont choisi la montagne. Moses Moïse il a choisi chose la the montagne. Mountain. Il a choisi la montagne. When Amalek came to fight Amalek Israel. Amalek est venu pour combattre Israël. God said to Moses. Dieu a dit à Moïse. Go up on the mountain. Va sur la montagne. And there on the mountain. Et tourne-toi sur la montagne. Lift up your hands. Lève tes deux mains. And pray. Et prie. It was a prophetic way. C'était une parole the prophétique. People who attack you les personnes qui vous are attaquent from the valley. Ils sortent de la vallée. And you are mais vous, on the mountain. Vous êtes sur la montagne. The valley will not reach the level of the mountain. La vallée n'atteindra jamais le niveau the de la mountain is destroyed. Jusqu'à ce que après, de moins que la montagne soit détruite. Que Dieu te fasse asseoir. Mais God make you sit sur la montagne on the mountain où tes ennemis where your enemies n'arriveront pas à te vaincre. Will never be able to conquer you. May God make you sit que Dieu te fasse on asseoir the mountain sur la montagne where every adversity will be under your feet. Soit sur in the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. That is why David. C'est pourquoi David. In Psalm 23. Dans le psaume 23. When he speaks about the valley. Quand il parle de la vallée. He speaks about walking. Il dit marcher. But when he speaks about the mountain. Quand il parle de la montagne. He speaks about dwelling. Il dit demeurer. Oh. Give me a good amen. Donnez-moi un bon amen. He said, il dit, though I walk, même si je marche, through the valley, de la vallée, of the shadow of de death, l'ombre, the valley of the shadow, la vallée of de death, l'ombre, de la mort, you are not meant to stay there. Vous n'êtes pas censé you are rester meant là-dedans. To cross it. Vous êtes censé la I am traverser. Here to tell somebody, je suis ici pour you dire will quelqu'un. Not stay in the valley vous of n'allez tears. Pas rester dans la vallée no, des no, pleurs. No, 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 no. You may be feeling right now peut-être vous as if you are in a valley, que vous êtes but dans la you vallée. Will stay in the valley any longer because the mountain is waiting for you. Can somebody turn to his neighbor? Please speak to somebody. Say the mountain is waiting for you. La montagne t'attend. La montagne c'est le symbole de la grandeur, le symbole de l'élévation, le symbole du royaume. Je viens parler à quelqu'un. Tu ne resteras pas dans la vallée de l'élévation. La montagne de l'élévation t'attend. Tu ne resteras pas dans la vallée des pleurs. You will not stay in the tu ne resteras pas dans la vallée de l'échec. Tu ne resteras pas dans la vallée de la confusion. Dieu te fera asseoir sur la montagne de l'accomplissement, sur la montagne de l'exaucement, sur la montagne de l'élévation. Si quelqu'un est avec moi, Dieu ensemble avec moi, yes! Que Dieu te fasse asseoir. May God make you dwell. Oh, je suis dans la dimension prophétique. I mean the dimension que of the Dieu prophecy. Te fasse asseoir. May God make you à la place où c'est un lieu élevé. In the highest places. Dans la vallée. In the valley. David dit. David said. Quand je marche. When I'm walking. Dans la vallée de l'ombre. When I'm going through the valley. Mais quand il parle de la montagne. But when he's talking about the mountain. Il dit ceci. He says this. Oui, le bonheur et la grâce. The happiness m'accompagneront. Will tous les jours de ma vie et j'habiterai. Il ne parle pas de marcher ou he's de passer mais il parle d'habiter dans la maison de l'Éternel. Le temple n'était pas encore bâti mais le sanctuaire était sur le mont Sion. Quand il parle de j'habiterai dans la maison de l'Éternel il parle du mont Sion. Dieu te fera habiter sur la montagne mais dans la vallée tu seras en train de marcher. D'ailleurs, même dans la vallée, even in the valley, quand tu marches, when you walk je te donne l'identité de tes pas. I'm giving you the identity of your steps. David a dit ça dans le verset 6. David verset 6. Said in verse 10. Verset 6. Oui, le bonheur happiness, et la grâce. Donc même quand tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, even when you are in the valley oui, of le bonheur of et la grâce, ça t'accompagne. The happiness and grace will et la version you. En hébreu voulait dire and the Hebrew version le bonheur says, comme mon pied droit, la grâce right comme step, mon pied gauche like m'accompagneront tous les jours de ma vie. Regarde combien de pas tu as fait depuis le matin. How many steps have you made since you je te demande combien de pas. Pasteur Roger, combien de pas Pasteur Roger, how many steps? Hein?
7750. Seven, so, tu as 7000 bonheur, grâce. Bonheur. Happiness, grace. Oh, bonheur. Happiness, grace. Est-ce que quelqu'un peut faire cet acte-là? Can someone bonheur, make that step? Happiness, grâce, grace. Bonheur, happiness, grace. Bonheur. Happiness, grace. Ah, tu ne comprends pas encore. Tu ne comprends pas encore. L'ennemi t'a beaucoup combattu. L'ennemi a combattu ta famille. Mais Dieu a décidé de changer. Tu ne vas plus pleurer. Tu ne vas plus rester dans cette situation. Mais ce que tu vivras, c'est bonheur, happiness, grace. Bonheur, grace. Grâce. Happiness. Je ne t'entends pas. Il y a quelqu'un qui marche avec la bouche. On marche pas avec la bouche. Est-ce que tu peux faire cet acte prophétique? Can you do that prophetic bonheur, step right now? Happiness, grace. Bonheur, happiness, grace. Ça t'accompagne au nom de Jésus. In the name of Jesus. La prédication d'aujourd'hui. Preaching today. Tu peux être en train de marcher. Maybe you're walking. C'est pas un problème. It's not a problem. Mais quand tu marches, as you're walking, tu dis seulement bonheur. You're saying happiness, grace. Happiness, grace. Unaongeza mwana rafieri. À interpréter. On gagne dans mon cafier. Bakisana moi l'olendo. Bonheur. Grâce. Bonheur. Happiness, grace. Ne marche pas comme quelqu'un. Tu as eu des problèmes. Globo, toto, coloso. Même quand tu marches, tu marches. Even when you walk, you're not walking right. Bonheur. Happiness, grace. Et chez homo. Bonheur. Happiness, grace. Je déclare sur ta vie. I declare over your life. Que là où tu as pleuré. Wherever you were crying. Que le bonheur. And the happiness. Et la grâce. And the grace. Puisse t'accompagner. Accompany you. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Si tu le crois avec moi. If you believe regarde it with quelqu'un me, à côté de toi. Look at your neighbor. Dis-lui, regarde-moi bien. And tell him, look at me very well. Après ce culte, after this sermon, je ne serai plus dans la même dimension. I will never, no longer be parce in the same que dimension. Ma vie est accompagnée is accompanied par le bonheur, with happiness, la grâce, grace, le bonheur, grace. Tambola nanu lesusu. Tambola lesusu. Grâce, bonheur. Happiness, grace. Je t'ai pas vu, je t'ai pas vu. Bonheur. Tu vois que tu marches comme ça. Il faut même pas faire comme ça. Redresse ton front là. Walk with your head up. Ne courbe pas ton front. Tu regardes vers l'avenir. Bonheur. Happiness. Grâce. Grace. Happiness. Bonheur. Grace. Ce n'est pas une aventure que je vous fais faire. I'm not talking about je parle dans la dimension prophétique. I'm talking in the que le bonheur dimension. Accompagne ta vie. Happiness au nom de in the name of Jésus. Jesus. Vous pouvez vous rasseoir un moment. So Moses went on the mountain. Il allait sur la montagne. Amalek is identified. Il est identifié. As the people. Par le peuple. They are called. Ils sont appelés. People. Les peuples. Of the valley. De la vallée. But when Moses was on the mountain. Mais quand Moïse était sur la montagne. Lifting in his hands. Et qu'il a levé les mains. Israel was conquering. Israël y battait. But when Moses. Mais quand Moïse was getting tired, il était fatigué, his hands went down, et que ses mains se baissaient, Amalek, les Amalécites, ils battaient les Israélites. When you believe that God has called you to be on the mountain, quand vous croyez que Dieu vous a appelé à être sur la montagne, don't worry about problems of the valley. Ne vous inquiétez pas des problèmes de la vallée. Be a worshipper. Soyez un adorateur. Lift up your hands to the levez Lord. Levez vos mains vers le Seigneur. Be worshipping. Et soyez en train when d'adorer. When you lift your hands to the quand Lord, quand vous levez vos mains vers le you Seigneur, are declaring, vous déclarez, I surrender all to you. Je m'abandonne and totalement à toi. And as I lift toi. My hands in et your presence, lève my life toi. Is also standing with you. Ma vie I am est conquering. And I'm an overcomer in the name of Jesus. So Amalek was destroyed. Les Amalécites étaient détruits. Completely. Complètement. Many centuries after that. Et plusieurs siècles après. God chose a king. Dieu montre un roi. He chose a king. Il choisit un roi. Saul. Saül. We all know the story of Saul. Nous connaissons tous l'histoire de Saül. Samuel anointed him. Samuel l'a oint to be the king over Israel. Pour être le roi d'Israël. The first mission. La première mission. That the Lord gave to Saul. Que Dieu a donné à Saül. Was to destroy all the people of Amalek. C'était de détruire tous les Amalécites. God said.
Et le Dieu a dit, I remember, je me rappelle, all the bad things they did to Israel. Toutes les mauvaises choses qu'ils ont faites aux Israélites. Saul, et Saul, I am anointing you. Je te oins. And I choose you. Et je te choisis. Go and destroy the Amalekites. Pour aller détruire tous les Amalekites. All the remnants of the Amalekites. Tout ce qui reste des Amalekites. Those who escaped in the desert. Tous ceux qui ont fui dans le désert. At the time Israel was fighting them. Au moment où Israël les combattait. Destroy them all. Détruis-les tous. And God said, Dieu a dit, even the cattle, même les animaux, même les animaux, kill them all. Tue-les tous. Don't spare any. Ne laisse aucun s'échapper. First mission. Première mission. Saul went. Saül est parti. He destroyed city. Il a détruit toute la ville. He killed people. Il a tué les personnes. But when he saw the fat calves, mais quand il a vu les taureaux qui sont gros, he said, il a dit non. These ones, ceux-là, I'm not gonna kill them. Je vais pas les tuer. I'm gonna keep them. Je vais les garder. He saw Agag. Il a vu Agag. 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 The king of the Amalekites. Le roi des Amalécites. He said. Et il lui a dit. I'm gonna keep him safe. Je vais le garder en sécurité. I'm not gonna kill him. Je vais l'épargner. I will preserve him. Je vais le préserver. So the very big mistake of Saul. Alors la première erreur de Saül. He kept the calves. The fat ones. Il a gardé le troupeau qui était en chair. And he kept the king Agag. Il a gardé le roi Agag. No, I mustn't kill him. Dit non, je vais pas le tuer. Cher collègue. Dear colleague. Homologue. My colleague. On est ensemble. We together. Je vais te sauver la vie. I'll spare your life. But he did not know. Mais il ne savait pas. That he was disobeying God. Qu'il désobéissait à Dieu. You know what? Vous savez quoi? When you read the end of Saul, quand vous lisez la fin de l'histoire de Saul, when Saul died, quand il est mort, there was a guy, il y avait un monsieur, who went to David, qui allait à David. He said, Saul, il a dit Saul, he just put a sword to himself. Il s'est transpercé d'une épée, but he did not die. Mais il n'est pas mort. And when I saw him, et quand je l'ai vu, I took the sword, j'ai pris l'épée, I cut his head. Et j'ai coupé David sa tête. David told that person, who are you? Et David lui a dit, mais qui es-tu? He said, I am an Amalekite. Il dit, je suis un Amalécite. So, alors, one descendant, un descendant, of those that Saul did not kill, de ceux que Saül n'a pas tué, finally killed him. L'a tué lui-même. When you don't obey God, quand vous n'obéissez pas à Dieu, to kill the Amalekites, pour tuer tous les Amalécites, and you spare the lives of some, et que vous épargnez la vie de those certains, that you are sparing lives, ceux que vous épargnez, will be those who will destroy you. Vont être ceux qui vont vous détruire. Saul refused to kill all the Amalekites. Saül a refusé de tuer tous les Amalécites. An Amalekite. Et c'est un Amalécite. Cut his head. Qui a coupé sa tête. Let me say it. Laissez-moi vous dire encore. Ce que tu ne veux pas tuer aujourd'hui. Those you don't want to kill today. Te tuera demain. Will destroy you tomorrow. Quand Dieu te dit. When God tells you. Tue. Kill. Arrête. Stop. Non, Seigneur. It's like, no, Lord. Tu me comprendras, non? You will understand. Même si j'épargne ça, même toi-même, even Dieu, tu them. Comprends, even non? Even you yourself, God, you understand. Ce que tu sauves. The things that you are ce spirit. Que tu ne tues pas. The things that you are not killing. Va te tuer. Will kill you. Aide-moi à regarder ton voisin. Let me help you tell your neighbor. Regarde-le bien yeux dans yeux. Look at them straight in the eyes. Yeux dans yeux. Straight in the eyes. Dis-lui. And tell them. Le péché que tu ne tues pas aujourd'hui. The sin that you're not destroying today. Sera ce qui te tuera. Is the one that's going to destroy you later. Dis-lui. Tell them again. La relation que tu refuses de tuer aujourd'hui. The relationship that you're refusing to kill today. Te tuera demain. Will kill you tomorrow. Dis-lui encore. Tell them again. Cette affaire-là que tu refuses d'arrêter aujourd'hui. This business that you are refusing Dieu to stop. Dieu te dit today. Arrête. God is telling you stop. Mais tu refuses d'arrêter. But you refuse to stop it. Ça va te tuer demain. It's going to kill you tomorrow. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Am I speaking to someone's heart today? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Am I speaking to someone today? Ce que Saül the things that Saul a refusé de tuer. Refused to kill. L'a tué. Killed him. Et je veux arriver à ce passage de. Now let's go to the scripture. J'aimerais que le frère, if brother Glody can help me. If brother Glody can help me with 2 Samuel. 2 Samuel. Chapter 1. Chapitre 1.
I just want to read the script for you. J'aimerais lire ce passage pour vous. Verset 5. 2 Samuel chapter 1 verse 5. Can we read it together? Est-ce qu'on peut le lire ensemble? So David said to the young man who told him, "How do you know that Saul and Jonathan his son are dead?" Then the young man who told him said, "As I happened by chance to be on Mount Gilboa, there was Saul leaning on his spear, and indeed the chariots and horsemen followed hard after him. Now, when he looked behind him, he saw me and called me, and I answered, 'Here I am.' And he said to me, 'Who are you?' So I answered him, 'I am an Amalekite.'" Verse 9. "And he said to me again, 'Please stand over and kill me, for anguish has come upon me, but my life still remains in me.' So I stood over him and killed him, because I was sure that he could not live after he had fallen. And I took the crown that was on his head and the bracelet that was on his arm, and I've brought them here to my lord." Saul got killed. Ça lui a été tué. It's true that David got angry. C'est vrai que David against s'est this Amalekite. Contre cet Amalekite. He said, "How can you be proud of saying you killed an anointed of God?" D'avoir tué un he de ordered Dieu. That they kill him. Et il a ordonné qu'on le tue. And they killed him. Et ils l'ont tué. But what a sad story. Mais quelle histoire triste. Saul wanted to die. Saul voulait mourir. He said, "Let me kill myself." Il a dit que je me suicide. He tried to pierce himself with his sword. Il s'est transpercé avec sa propre épée. But he could not die. Mais il n'est pas mort. And he saw somebody. Il a vu quelqu'un. "I'm suffering." Il a dit, je souffre. "Please come and kill me." Viens m'achever. The guy came and killed him. Et le monsieur est venu le tuer. Took his crown. Il a pris sa couronne. Took his bracelet. Il a pris son bracelet. Who was he? Qui était-il? An Amalekite. Un Amalécite. The one you spare today. Les personnes que tu épargnes aujourd'hui. Will remove the crown from your head. Vont enlever la couronne de ta tête. The sin you refuse to get rid of today. Le péché que tu refuses d'abandonner. Will be the sin which va être will le remove péché the crown from your head. Qui va enlever la couronne de ta tête. I'm speaking as a prophet. Je parle comme un prophète. When God says to you. Quand Dieu vous dit. Stop. Arrête. Obey. Obéis. Do this. Faites-le. As difficult as it can be. Même si c'est très difficile. Do it. Faites-le. In 1 Samuel 15, dans 1 Samuel 15, God said to Saul, Dieu a dit à Saül, "Kill all the Amalekites." Tue tous les Amalécites. But among the people is spared. Mais is parmi spared, les personnes qu'il a épargnées, one, il y en avait un, cut his head, qui a coupé sa tête. And then years later, bien des années après, centuries later, des siècles après, more than 500 years later, plus de 500 années après, a descendant of the Amalekites un that Saul left. Que Saül avait épargné. Agag. Agag. He was an Agagite. C'était un autre Amalécite. An Agagite. Un autre guide. Agagite. Agagite, okay. A son of Agag. Un fils de Agag. His name was. Son nom était. Amon. Amon. So you understand the context. Vous comprenez bien le contexte. And Amon was Amon. In the kingdom of Assuérus. Il était dans le royaume. Oh, in the kingdom of Assuérus. Royaume de Assuérus. And Mordecai et Mardoché and Esther et Esther was there. Était là. God just made Esther Dieu a fait d'Esther to be the queen. Une reine. And then the king et le roi elevated Amon to be the honorable one. Pour être honorable. He gave him his ring. Il lui a donné son anneau. Listen carefully. Écoutez-moi bien. The ring l'anneau was a symbol of authority. Était un symbole d'autorité. Number one. Numéro un. To give to somebody a ring. Donner à quelqu'un son anneau. Means you give him your authority. Vous lui donnez votre autorité. Is somebody there with me? Est-ce que quelqu'un comprend? Number two. Numéro deux. The ring. L'anneau. Was an ornament for the king. Était un ornement. To give somebody a ring. Pour le roi. Means. Donner you son anneau. Give him dignity. Signifie donner la dignité. Number three. Numéro 3. The rings of the kings. L'anneau des rois. Were having their names. Avaient leur nom. So that a king could come donc le roi and step venir with his ring. Et faire une
estampade avec son nom. When he stamps with his ring, it seals connaît, with the ring. Alors ça scelle avec son anneau. It means. Ça signifie. It is my signature. C'est ma signature. It cannot be revoked. Ça ne peut pas être effacé. So the king took his ring. Alors que le roi il a pris son anneau. He gave to Haman. Il l'a donné à Haman. And wherever Haman was going, et où est-ce qu'il allait? Everybody was kneeling down before him. Tout le monde se prosternait wherever devant lui. Passing, et quel que soit l'endroit où il allait, was kneeling down before tout le monde him. Se prosternait devant lui. But Mordecai mais Mardochée was a Jew. Il était juif. He said, il a dit, I will not bow down je ne vais pas me prosterner before any other man. Devant I can only homme. Bow down je ne peux que me prosterner before God. Devant Dieu. Je veux dire à quelqu'un, I want to tell someone, sois comme même Mardochée. Be like a Mardochée. Même là où tout le monde fléchit, even where everyone refuse bow down, de fléchir. Refuse to bow down. Accepte de fléchir seulement devant accept Dieu. To only bow down before God. Combien de personnes ont fléchi pour how des many postes? People bow down for just a job? Combien de personnes ont fléchi juste how many pour people le mariage? Bow down just for marriage? Combien de personnes ont fléchi how many people bow down juste pour ce contrat-là? Just for this only contract. Mardochée refusa de fléchir. He refused to bow down. Et les gens ont dit à Mardochée, and the people said, il faut que tu fléchisses aussi. You need to bow down too. He said no. Il a dit non. I am a Jew. Je suis juif. I know who I am. Je sais qui je I suis. I know my identity. Je sais mon identité. My identity, mon identité does not allow me, ne me to permet bow pas down before anybody. De me prosterner to bow devant down before anything. De me prosterner devant quoi que ce soit. And they told it to Haman. Et ils l'ont dit à Haman. You understand the context. Vous comprenez maintenant le contexte. When they said to Haman, et quand ils ont dit à Haman, there is one Jew, il y a un Juif, refusing to kneel down before you, qui refuse de se prosterner devant toi. Haman a tenu ses mains comme bakoko na bakoko lolo na bakoko ba. Haman remembered Haman, il s'est rappelé all the fights and attacks de toutes les batailles et toutes from les attaques his ancestors. De ses ancêtres. Israel, Israël destroyed Amalekites in the a the détruit desert. Les Amalécites dans le désert. Saul destroyed the Amalekites. Les a détruits and également. Now I'm in a position et of maintenant, power. Maintenant je suis dans une position it de is puissance. Time for vengeance. C'est le moment de me venger. I'm gonna revenge j'aurais pu me venger. All the people who died. Toutes les personnes qui sont mortes. It was a problem with Mordecai. C'était un problème but avec Mordecai. But as soon as Haman heard he was alors que Haman il a entendu qu'il était juif. Haman decided il a to décidé destroy all the Jews. De détruire tous les juifs. So the attack was not only because of Mordecai. L'attaque n'était pas juste à cause de Mordecai. But it was an attack which has lasted generations and generations. Une attaque qui durait depuis des générations. So Haman went to the king. Alors, Haman, il est allé au roi. He said there is a people il here. A dit, il y a un peuple ici. They do not follow your laws. Ils ne suivent pas ta loi. They do not obey to what you say. Ils n'obéissent pas à tes commandements. Let us kill all of them. Exterminons-les. Il y a des gens qui te combattront parce que tu as refusé de fléchir. People will fight you because you refuse to bow down. People will fight you. Certaines personnes because you refuse to bow down parce que vous avez them. Refusé de vous prosterner. People will fight you certaines personnes vous because you speak what the Bible says parce que vous parlez de ce que la Bible dit. To compromise. Et vous refusez tout compromis. They will want you to change your message. Ils voudront que vous changiez votre they will message. Want you to sugarcoat. Ils voudront que vous couvriez. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved. Jésus aime tout le monde. Jesus loves everyone. Il vous aime. He loves you. Il va vous sauver. He'll save you. Tel que vous êtes. Just like you are. Oui. Yes. C'est la Bible. It is the Bible. Jésus aime tout le monde. Jesus loves everyone. Mais lui-même encore, il a dit. But he himself, he said. Les impudiques. All the les homosexuels. The homosexuals. N'hériteront pas le royaume de Dieu. They will not inherit the kingdom of God. Ah. Ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. They will not inherit alors, the kingdom of God. Alors toutes les fois qu'on vient. So every time we come, bien-aimé dans le Seigneur, beloved, il faut éviter des problèmes. To avoid problems, Jésus aime tout le monde. Jesus loves everyone. Et on commence à compromise on the word of God. And we start compromising the word of God. We are doing wrong. Nous faisons mal. We better please the one who called us. Il vaut mieux qu'on plaise à celui qui nous a appelés. Than please people. Que de plaire aux gens. I want to tell somebody. J'aimerais dire à quelqu'un. Do not kneel down. Ne vous prosternez do not pas. Change the word of God ne changez pas la parole to de Dieu please words of men. Pour plaire à la parole des hommes. Rather be considered as a rebel. Rather be considered as an outcast. Il vaut mieux être considéré comme un maudit but obey God. Que de, et obéir even à before Dieu. Being killed
Peter could stand up and say, what do you want us to do? Do you want us to obey you? Or to obey God? If we obey you, we are no longer servants of God. It is not people who called us. It is God who called us. And we have to obey him. I want somebody to refuse to compromise and say, I'm not going to bow down. I know my identity. I am of the people who do not bow down before situation. I can only bow down before God. Je vais me prosterner seulement devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui est en train de réfléchir. Pasteur. Somebody is thinking now. Pastor. Alléluia. Alléluia. Help me tell your neighbor. Aidez-moi à dire à votre voisin. Do not compromise. Ne fais pas de compromis. Chers parents. Dear parents, apprenez à vos enfants les valeurs spirituelles. Spiritual values. Apprenez aux enfants les valeurs bibliques. Biblical Don't values. Compromise on that. Ne compromettez pas. Non. Au fait. In fact, pour éviter des problèmes. To avoid any problems. Dieu vous tiendra responsable de cela. God will hold you accountable for this. Je vous regarde tout droit dans les yeux. I'm looking at you straight in the eyes. Mardochée. Mordecai était loin du pays des Juifs. Was far from the il était en déportation dans un pays où il y avait d'autres lois. He was a refugee in the country where there are other laws. En déportation. He was a refugee. Quelque part. Somewhere else. Mais ce pays-là avait des lois. But that country had laws. Mais dans ce pays-là, But in that country, Mardochée Mordecai a refusé d'obéir aux lois qui étaient contraires à la loi de Dieu. He refused to obey the laws that were contrary to the law of God. Je ne reçois plus d'amen. I'm not really hearing your amens now. Tout le monde me regarde. Everyone is just looking at me. Master. Ce n'est pas tiré de la parole de Dieu. Am I not talking about the word of God? Ce n'est pas la parole de Dieu que je prêche. Am I not preaching the word of God? Echeomo akula. Nazo akula. Awila akula. Alléluia. Alléluia. Refuse to compromise, my brother. Refusez de compromettre. Refuse to compromise. Refusez les compromis. Mon frère, My brother, pourquoi tu veux te compromettre? Why do you want to compromise yourself? Parce que tu vois les mollets comme un joueur de rugby. Quand la sœur marche là, tu regardes comme si elle venait de faire l'entraînement pour le rugby. Et quand toi tu regardes, tu dis, hey Seigneur, mollet, et toi-même tes mollets et tes genoux commencent à s'entrechoquer. Équilibre perdu. Tu regardes une sœur qui marche. You look at a sister on dirait qu'elle walking, est en train de marcher. And as she's walking, c'est comme si on fait le rewind. It's like you're looking at a rewind. Maintenant, quand tu regardes, and when you look, consider tu ne sais plus regarder comme ça. You don't know where to look at her. On voit un papa au volant. You see a man driving down. Et puis là, boum! And then suddenly, Jesus. Regarde, mes frères. My brothers. Ne nous compromettons pas. Let's not compromise. Alléluia les papas. Alléluia, papa, dites-moi amen bien. Give me a good amen. Alléluia fathers. Les papas. Alléluia, fathers. Tu vois une sœur qui parle. You see a sister talking. Elle parle en anglais, c'est comme si elle mange le chocolat avec les pierres en même temps. Oh, it's alright, c'est comme s'il y a les chewing gum. Et quand toi tu regardes, tu dis. And when you look at her, aïe, le langage, oh Seigneur, her language, oh, le Lord. Poteau, Jésus. Jesus. Et vous voyez le frère. And you look at the brother. My sister. Oh, my sister. Have you got a driver's license? Est-ce que tu as un permis de conduire? No, I don't have. Oh, non, je n'ai pas de permis. Because you're driving me crazy. Oh, parce que vraiment, tu me rends fou. Frère. Brother. Les frères, alléluia. Hallelujah, brothers. Ne nous compromettons pas. Let's not compromise. Est-ce que les frères peuvent me dire amen bien? Can you help me? Can you say a big amen? Oh. Les papas, dites-moi amen bien. Give me a good amen, please. Les sœurs, alléluia. Sisters, alléluia. Faut pas regarder un frère. Don't look at a brother. Les sœurs d'aujourd'hui, même les païens savent. Even the unbelievers know. Si c'est un païen, mon pasteur va refuser. Oh, my pastor will say no if he's an unbeliever. Viens seulement à l'église. Just come to church. Donc tu vois le frère païen. So the unbeliever comes to church. Avec P majuscule. A big unbeliever. Quand il entend tout le monde parler. When he hears everyone talk. Tout le monde est en train de parler en langue. Everyone is talking, he's praying in tongues. Lui commence à se rappeler des noms des joueurs de foot. And he starts remembering the names of the football players. Ibrahimovic. Kirill Popov. Ibrahimovic.
Il vous donne les noms russes. He gives you all the Russian names. Oh, you're like, oh. Il a un parler en langue merveilleux. His praying in tongues is wonderful. Ton cœur commence à battre. And your heart starts beating. My brother, have you got the Wi-Fi? Have you got the Wi-Fi? No, I don't have Wi-Fi. Non, je n'ai pas le Wi-Fi. Pourquoi? I'm feeling very connected. Parce que je me sens très connecté à toi. Mes sœurs. Sisters, est-ce qu'on peut se dire, Seigneur, on ne va pas se compromettre? Can we tell ourselves, I'm not going to compromise? I will the not Lord. Compromise for makeup. Je ne vais pas me compromettre. Je vais pas compromettre mon maquillage. I will not compromise for money for rent. Je ne vais pas me compromettre pour le loyer. I know who I am. Je sais qui je suis. I know who I am. Je sais qui je suis. I will not compromise. Je ne vais pas me compromettre. Because somebody said he will offer me the moon. Parce que quelqu'un a dit qu'il va m'offrir dis la lune. D'abord, voyage d'abord à la lune. Tell them go to the quand moon. Quand tu reviens même avec une pierre de la lune, maintenant tu vas m'offrir la lune. Then you can offer me mais the moon. Mais toi on te dit, je vais t'offrir la lune. I will offer you the moon. Oh oui, tu peux m'ajouter même le soleil et Mars. Like oh, can you also add the sun in March? Hallelujah. Hallelujah. Can you tell somebody do not compromise? Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un ne compromets pas? Mordecai said. Mardochée a dit. I know who I am. Je sais qui je suis. I cannot compromise. Je ne vais pas compromettre. Et Haman s'est fâché. And Haman vous savez les gens qui ne se compromettent pas. The people that do not Dieu leur donne toujours la victoire. God always gives them victory. Je prie pour quelqu'un qui ne se compromet pas. I pray for someone que who la does victoire not de Dieu puisse t'accompagner. May the victory of God accompany you. In every domain of your life. Dans tous les domaines de ta may vie. May you experience the victory. Que tu expérimentes la victoire. You know what? Vous savez quoi? Mordecai wanted to Mardochée, kill all the Jews. Il voulait tuer tous les but Juifs. Because et Haman wanted to kill the Jews. But because Mordecai feared God. Mais parce que Mardochée avait la God crainte de Dieu. Honored him. Dieu l'a honoré. I pray this afternoon. Father, honor somebody tonight. Honor quelqu'un cet après-midi. Honor somebody who is giving you honor. Honor quelqu'un qui n'est t'honore. Pas que tu as dit dans ta parole. You said que word, celui qui te sert, the one that le Père l'honorera. The Father will tu honor as encore them. Dit, and you also je honore ceux qui m'honorent et je me méprise ceux qui me méprisent. And I will curse those who curse me. Que Dieu honore quelqu'un qui honore may le God Seigneur. Honor the one that honor him. Je conclue avec mon message. I'll conclude my message. Je conclue mon message en le commençant. By starting it. Ça c'était l'introduction. That was introduction. Alors Haman décide de tuer les Juifs. Haman decided to kill the Jews. He decided to kill all the Jews. And he wrote that. Et il l'a écrit. The king gave him his ring. Le roi lui a donné son anneau. And he put the ring. Et il a mis l'anneau. He put the seal. Il a mis il a scellé. It is sealed. Il a scellé. It cannot be revoked. Et ça ne peut plus être annulé. He spread the letters everywhere. Il a envoyé toutes les lettres partout. He said at this date. Il a dit à ce jour. We are going to kill all the Jews. Nous allons tuer tous les Juifs. But what Haman did not know. Mais ce que Haman ne savait pas. God had a different plan. Dieu avait une autre direction. Your enemies, vos ennemis, they have a plan to destroy you. Ils ont un plan pour vous détruire. To finish ils ont un plan pour vous détruire. They have a plan to finish your story. Pour vous anéantir complètement. But what they don't know, mais ce qu'ils ne savent pas, God has a different plan c'est for que you. Dieu a un autre plan pour vous. I'm here to tell your enemies, je suis ici pour dire à vos they will ennemis, be surprised. Ils seront surpris. Bakosutuka. They will surpris. Be surprised. Ils seront surpris. They will be shocked. Ils seront choqués. May God shock all your enemies. Que Dieu choque tous vos ennemis. Every person who stood up. Toute personne qui s'est levée. Against your life. Contre votre everybody vie. Everybody who stood up. Toute personne qui s'est levée. Against your ministry. Pour parler contre votre everybody ministère. Everybody who stood up. Toute personne qui s'est levée. Against your family. Pour parler contre may votre famille. May the Lord surprise que him. Que le Seigneur les surprenne. In turning everything upside et down. Et qu'il chamboule toute chose. Que Dieu puisse confondre tes ennemis. May God confuse je n'entends pas ton amen. Que Dieu confonde tes ennemis. Que Dieu confonde le Haman de ta vie. Que Dieu confonde le Haman de ta famille. Que Dieu confonde le Haman de ton mariage. Mordecai and Esther remained in prayer. Mardochée et Esther, ils sont restés en prière. I will not get into those details. Je ne vais pas aller dans ces détails. They remained in prayer. Ils étaient en prière. Fasting and praying. Ils jeûnaient et priaient. Praying to God. Prier à Dieu. And because they prayed. Et parce qu'ils priaient. The king could not sleep in the palace. Le roi n'arrivait pas à dormir the dans le palais. The story started with Mordecai.
L'histoire a commencé Haman wanted to kill the Jews. Haman voulait tuer les Juifs. And then he said, et ensuite il s'est dit, I will start by killing Mordecai. Je vais commencer par tuer Mardoché. And he prepared, et il a préparé a place, un endroit, to hang Mordecai on it. Pour le suspendre. The moment he was going to the king, et au moment où il allait vers le roi, to tell him the story pour of Mordecai, de Mardoché, to say I want to kill Mordecai, je veux tuer Mardoché. The night before that day, la nuit avant ce the jour-là, king could not sleep. Le roi n'arrivait pas à dormir. Dieu vient toujours à l'avance. God comes to Dieu ahead. Ne vient jamais en retard. Late. Quand tes ennemis préparent le mal contre toi, Dieu va les devancer. And God is gonna precede tu ne m'entends pas. Je prie que Dieu devance tes adversaires. That God precede your que Dieu devance tes ennemis. God precede your enemies. Hey! Que Dieu devance ceux qui te veulent du mal. Alors tu dis, on va t'attendre le mardi. Que le lundi, le Seigneur te fasse sauter. Ils te chercheront. Ils ne vont pas te trouver. Parce que notre Dieu, il les a déjà devancés. Que Dieu devance tes ennemis. Haman a réfléchi. He was thinking. Tomorrow, demain, I will go to the king. Je vais aller au roi. But when he was thinking about what he would do tomorrow, à propos de ce qu'il the king could not only sleep. Le roi, il n'arrivait pas à he dormir. Could not sleep. Il ne pouvait pas dormir. He says, bring me the records. Il a dit, emmenez-moi l'historique. Les livres de souvenirs. Les livres de souvenirs. They opened. They opened it. Ils l'ont ouvert. So, I can't sleep. Je peux pas dormir. Just read it for me. Lisez-moi juste they le livre. They started reading. Ils ont reading, commencé à lire, reading. À lire. And then they said, no. Dit, there were two eunuchs of the king. Il y avait deux eunuchs du roi. They wanted, they plotted against the king. Ils ont comploté contre le roi. But there was one person, mais il y avait une Mordecai, personne, Mardoché, who said that to the king. Qui a dit quelle telle chose au roi. On lisait les livres. They were reading the tous the les records, records. All the records. Mais quand on arrive à Mardoché, le roi s'arrête. Il dit, the oh, oh, stop there, stop the there. The king stop. What did we do to reward this person? Qu'est-ce qu'on a fait pour récompenser je cette personne? Je prie cet après-midi. I pray this afternoon. Que le roi, that the king, non pas le roi de ce monde, not the king of this mais world, le roi des rois, but the king qui of est roi dans les cieux, sur la terre et sur that la terre, in the heavens, celui qui ne sommeille ni ne the dort, qui ouvre le livre de souvenirs pour toi, qui ouvre le livre de souvenirs pour toi, même quand on lira des choses, even when they are reading quand stuff, on arrivera à ta place, they will come to you, que you, le Seigneur s'arrête là. Et qu'il se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de quelque chose que tu as eu à faire pour lui. Que Dieu se souvienne même de ta consécration. Que Dieu se souvienne même de l'acte de bravoure que tu as fait dans son œuvre. Si Dieu if God a touché Assuérus to pour se souvenir de Mardoché, to remember Dieu peut toucher même tes ennemis. God can even touch il peut enemies. Toucher même les païens he can touch pour even se souvenir de toi. To remember la Bible dit the Bible dans Proverbe 21, Proverbs 21 verset 1, verse 1 les cœurs de roi the hearts of the sont entre les mains de Dieu are in the hands of comme God, un courant d'eau. As a strong stream of il water. Les incline and he can turn it comme il veut. Wherever he wishes. The king's heart is the in the hand of the Lord. Sont dans les mains de l'Éternel. Like the rivers of the water, les rivières d'eau. He turns it il peut les tourner wherever où qu'il he veut. Wishes. Que Dieu tourne les cœurs des rois. Qu'il tourne les cœurs des décideurs en ta faveur. Que Dieu se souvienne de toi. May God remember you. Qu'il tourne les cœurs des rois. Turn the hearts of the kings. Que celui qui a ton dossier the one that has your pour file que cette affaire réussisse. For your file to que Dieu touche son cœur. May God touch que Dieu heart. Tourne son cœur may God touch en, sa, en ta faveur. In your favor. Que celui qui a ce dossier the one that has qui concerne l'immigration concerning ou qui concerne ton mariage regarding your que marriage. Dieu tourne son may cœur God turn the heart. En ta faveur. In your favor. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Lift up your right hand. Levez votre main. Say with me, oh Lord. Dites avec moi, oh Seigneur. Turn every heart. Tourne tous les cœurs. In my favor. En ma faveur. Say it again, oh Lord. Oh Dieu. Turn every heart. Tourne tous les cœurs. In my favor. En ma faveur. Proverbe 16, verset 7. Proverbe 16, verset 7. La Bible dit. Quand l'Éternel approuve les voies d'une personne, when the Lord il God approves the ways of someone, favorablement à son égard, même ses ennemis, even his enemies que Dieu are favorable to him. Disposer tes ennemis may God turn en ta your faveur. Enemies in your favor. Regarde, tape un peu la main de quelqu'un.
Tap someone in the head. La main de quelqu'un. Tap someone in the head. Dis-lui. And tell them. Dieu tourne. May God turn. Même tes ennemis. Even your enemies. En ta faveur. In your favor. When a man's ways please the Lord. Quand les voies d'un homme plaisent au Seigneur. His enemies, even his enemies. Il tourne même leurs ennemis. To be at peace. En leur faveur. With him. Que même tes ennemis. May even your enemies travailler pour ta gloire. Work for your own glory. C'est ce qui s'est passé avec. That's what happened. Avec Haman. With Haman. The king said. Le roi dit. What did we do for this man? Qu'est-ce qu'on a fait pour cet homme? Said nothing. C'est, no, rien. He said, oh. Il a dit, oh. Who is in the court? Qui est-il? Who is in the yards? Qui est dans la cour? Call him for me. Appelez-moi. When they looked on the window, et quand ils ont vu par they la saw Haman. Ils ont vu Haman. Haman venait. Haman was coming. Pour dire au roi. To tell the il faut qu'on puisse tuer Mardoché. Let them kill Mardoché. Lui, il vient avec un projet de malheur. He came with the project. Mais le projet de bonheur a précédé le projet de malheur. But the project of happiness preceded the project Haman of destruction. Haman vient chez le roi. And Haman came to the king. Le roi lui dit. The king was saying. Qu'est-ce qu'on fera? What will you do? À celui que le roi désire honorer. That the king wants to honor. Haman dit en son cœur. Haman said in his heart. Qui d'autre? Who else? Si ce n'est que moi. If not me. Alors comme il pensait que c'est lui. Since he was thinking it was il a pensé à beaucoup de choses. He thought about a lot of things. Haman a demandé au-delà de son titre. Haman asked even beyond il a demandé les marques de la royauté. He asked for the marks of royalty. Il dit qu'on mette sur lui un habit royal. He wanted a royal clothing. Qu'on mette sur sa tête une couronne. He wanted a crown. Qu'on le fasse marcher avec un cheval. He wanted to walk upon a horse. Et qu'il y ait quelqu'un qui sera en train de will be there to shout his voici glory. Ce qu'on fait oh, he à celui que le roi désire honorer. To the one that the king honors. Je parie I bet que Haman was thinking in pictures. Haman, il se faisait des images. Je serai assis. I will be seated with the clothes of the king. Avec les vêtements du and roi. Somebody saying, et quelqu'un this sera là, is how you do en train de me for louer. The one who the king wants voici to honor. Ce que le roi fait pour ceux qui l'honorent. You know what the king said? Do you know what qu'est-ce que vous savez ce que le roi Haman, fait? Haman, go. Va. And do everything you said. Et fais tout ce que tu as dit. Don't remove a word from it. N'enlève aucune parole. Do everything that fais you have said. Fais tout ce que tu as dit. But do it. Mais fais-le. For Mordecai. Pour Mardoché. He did not stop there. Il ne s'est pas arrêté là. He said, il a dit. And et the person will be walking. La personne qui va marcher. And saying, this is what you do. Dire, voici with ce the one that the king wants to honor. Pour ce que le roi that honore. That person cette personne, is you, Haman. C'est toi-même. Je, aïe, 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 aïe. I pray this afternoon. Je prie cet après-midi. I pray this afternoon. Je prie cet après-midi. I declare this afternoon that everything que toute chose, your enemies will be saying que vos ennemis they will dire be planning vous. Your elevation ils vont se, ils without knowing votre élévation. They thought it was their glory ils that he was planning gloire, for the elevation of Mordecai. L'élévation de Mardoché. My goodness, que Dieu fasse à ce que tes ennemis may God make your enemies soient ceux qui vont faire ta publicité. Be the ones that make your publicity. Que Dieu fasse à ce que tes adversaires soient ceux qui vont faire ta publicité. Be the ones that make your publicity. Je parie que Haman, I bet that Haman son cœur était fâché. His heart was angry. He was angry, but he was obliged to do it. Il était obligé de que le Dieu faire. Oblige à tes ennemis God oblige your enemies à faire les choses to do the things, non selon qu'ils le veulent, not according to mais what, selon que what Dieu va le lui imposer. But according to what the king et Haman était en train de marcher. Haman, he was walking. Celui qui a refusé de se prosterner devant Haman, the one who refused to bow down before Haman, s'est retrouvé élevé was the one that was elevated, et Haman faisait sa publicité. And Haman was doing his publicity. Que de la bouche de tes adversaires, may the mouth of your adversary, Dieu les oblige à dire des paroles d'élévation. May God oblige them to bless you. Même s'ils le font à contre-cœur, even if they do it unwillingly, on s'en fout. We don't care. Voici ce qu'on fait à celui que le roi désire honorer. This is not the honor the one. Voici ce qu'on fait. This is what they do. À celui que le roi désire honorer. Et la Bible dit. Haman est rentré chez lui à la maison. Says, Haman went to home. Confus. He was confused. Que la confusion entre dans le camp de tes ennemis. The confusion entered the camp of your enemies. Et confus qu'il était. And as confused as he was. His wife had a revelation. Sa femme avait une révélation. His wife told him. Sa femme lui a dit. Haman. Haman. Listen to me, oh. Écoute-moi bien. If this Mordecai. Si ce Mardoché.
before whom you have started to fall devant qui tu as commencé à tomber is a Jew. Il est un juif. You cannot do anything tu ne peux rien faire. Il dit, si ce marché, celui devant qui the one before tu as commencé à tomber, you started to la fall. Chute de Haman commençait déjà. The fall of Haman il dit, si celui devant qui the one tu as commencé à tomber you to fail. Est un juif, is a Jew. Là, tu tomberas sous son pouvoir. You also fall. Je dis aussi à tes ennemis, I'm telling your enemies si today, celui que tu es en train de toucher the one that you're touching today, est un fils d'Abraham, he's the son of Abraham, alors tu tomberas sous son pouvoir. Then you will fall under his power. Je parle à tous les sorciers, I'm speaking to à ceux all qui the combattaient witches, ta vie, the ones that are fighting à ceux your life, qui combattaient ta famille, the ones that are fighting your family. Faites attention. Be careful. Si cette personne that person, devant qui tu as commencé à tomber starting to fail, est de la race des élus, alors tu ne pourras rien contre lui. Si divine grace gathering a comme Jésus sous bâtiment, tu ne pourras rien contre lui. Si Remango Imwamba Kongolo Kitumba Kalala a Jésus comme le pilier, if they have Jesus as a pillar, ce ne sont pas des insultes sur Facebook. I'm not insulting ce ne sont Facebook. Pas des lettres et des mémos qui pourront le faire threats. Tomber. Nothing will make attention, be careful. Tu risqueras de tomber. You might fall down. Si ministre Roger if Minister est appelé Roger, par Dieu, he is called by God, et toi tu viens, and you are here. Oh, tiens, mon quoi bien, y'a moulaï, ouh. And you're criticizing him. Tu risques d'être frappé de mutisme. You might be struck. Je déclare stricken. Sur tes ennemis. I declare by your que enemies. Tes ennemis tombent sous ton pouvoir. May your enemies fall parce your que power. Tu es de la race des fils de Dieu. Because you are oh, among the chosen ones. Tu es de la race des fils de Dieu. You are among the chosen et puisque ones. Tu es de la race des fils and de Dieu. You are among the children of God, que tous les amants de ta vie tombent. All the amen of your life fail. To cut the long story short. Pour réduire l'histoire. To cut the long story short. Esther a préparé un festin. Esther, she prepared a feast. Elle a préparé le festin. She prepared a feast. Elle invite le roi. And she invited the elle invite Haman. She invited Haman. Le roi dit, the king said, demande-moi tout ce que tu veux. Ask whatever you même want. Si c'est une partie du royaume, it's a part je vais of the kingdom, te donner. I'll give it to you. Esther dit, and Esther oh roi, oh Lord, oh tout ce que je te demande, everything, the only préserve thing I ma vie. You, spare my life. Preserve and spare my life. Spare my life. Spare the life of my people. Épargne la vie de mon peuple. He said, what do you talk about? What are you talking about? He said, there is a law that my people be killed. Said, who did that? Dit, qui a fait ça? And Esther said, et Esther a dit, it's Haman. C'est Haman. The king got angry. Le roi s'est fâché. He left the room. Il est parti de la salle. Haman said, et Haman a dit, I am dead. Je suis mort. He went to kneel down to Esther. Il allait se prosterner devant Esther. To beg. Pour la supplier. But when the king saw, mais quand le roi il a he vu saw ça, as if Haman wanted to rape Esther. Il a vu comme si Haman voulait violer Esther. And he became angry. Il était furieux. Not only you want to destroy the Jews. Non seulement tu veux détruire you les want Juifs, to rape my mais queen. Mais tu veux violer ma femme. Haman did not have this. Tu vois, quand Dieu est pour toi, when God is born, même les gestes de tes ennemis, even the gestures of your enemies, même si ce sont des bons gestes, even if it's good gestures, mais à cause de leurs mauvaises intentions, because of your bad intentions, même leurs bons gestes se tourneront contre eux. The good intentions turn to bad intentions. Même leurs bons gestes se tourneront contre eux. The good gestures are turning to bad intentions. He said, what? Le roi s'est fâché, il a dit, mais quoi? Take him away. Chassez-le. Take him away. Chassez-le. Go to kill him. Allez le tuer. And somebody said, et quelqu'un a dit, il y a une potence qu'il a déjà dressée dans sa parcelle. He already prepared something to hang Mordecai. Il avait préparé ça pour Mardoché. He prepared it for Mordecai. Le roi dit, la potence a été préparée. He said, oh, the hanging allez le prendre sur cette même potence. Then go and hang him there. La même potence. The same hanging qu'il avait préparé pour Mardoché. That he prepared for Mordecai. Il s'est retrouvé lui-même. He found himself. Tendu sur cette potence là. Hung on that same place. Je déclare sur toi. I declare over que you. Que Dieu fasse à ce que tes ennemis. May God make your enemies. Tombent dans leur même piège. Fall in their own traps. Ils tombent dans leur propre may piège. They fall in their own traps. Que la longueur du trou qu'il creuse pour toi mais soit la longueur du trou qui va les enterrer. Dwell, be also the hole that welcomes them. Si tu es mon ennemi ici, if you are my enemy here, ou en ligne, or online, même quand tu fais ton trou là, even if you are dwelling même your 50 hole, centimètres, that is 50 centimeters, on m'a dit on t'y enterre.
Tu peux sortir. You might come out. Mais si tu dis je vais le finir. But if you say, je vais fermer cette pseudo église. Je vais fermer ce pseudo ministère. That church or c'est this toi qui vas sécher. You are the ones that are going to be inside of it. Je tiens quelque part. I'm holding something. La croix de Jésus. It is the cross of Jesus. Divine grace tient quelque part. Divine grace la is croix de Jésus. It is the cross of Jesus. We are unbeatable. Nous sommes imbattables. Unbeatable. Nous sommes imbattables. Unbreakable. Nous sommes incassables. And what again? Huh? Unstoppable. Unstoppable. Unshakable. Nos indestructible. Nous sommes indestructibles. Huh? Vous aussi les un. I heard somebody saying unable. Sans effet unable. Indestructible. Sommes indestructibles. Indestructible. Okay, anything. Même quand l'anglais fouille de ma bouche, là, l'onction continue even à couler. I lose the English, the anointing is still there. Que Dieu may God fasse à ce que tes ennemis make your enemies tombent dans leur propre piège. Fall in their own trap. Et la dernière des choses, the last thing, le roi a élevé Mardoché. The king elevated Mardochée. La position que Haman the avait, position that Haman had, Mardoché a commencé à l'occuper. Mardochée occupied that position. Que Dieu fasse que tu remplaces ceux qui te veulent du mal. May God make you replace the ones that are against you. Écoutez. Listen to me. Donnez-moi juste 3 minutes, je finis. Give me just 3 minutes. Faites attention. Beware. Quand vous combattez un oint de Dieu. When you're fighting Dieu an anointed one. Assieds-toi à ma droite. God said, jusqu'à sit on my right que hand. Je fasse de tes ennemis. Until I make your enemies donc, your footstool. Tu deviens mon ennemi, so when you become my enemy, tu te qualifies pour you devenir qualify mon escalier. Yourself to become my stair. Quand tu me combats, when you are fighting me, tu te qualifies you qualify yourself pour devenir mon escalier. To become my footstool. Ça veut dire toi. That means si you. Tu étais en haut, if you are above, parce que tu dois être mon marchepied. Dieu when te you rabaisse, become my footstool, il God va pas make te you rabaisser come à la dimension down de mes yeux. Il te rabaisse à la dimension de mes pieds. Et maintenant, feet, si tu arrives à la dimension de mes pieds, et puis moi je monte. Feet, je monte up, maintenant sur toi. I then come up on you. I je prie que you. Dieu fasse de tes adversaires ton marche-pied. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Mardoché entre dans la position de Haman. Was in the position of Haman. Mais une loi est en train de peser. But a law has been broken. Les paroles du roi. The words of the king ne pouvait pas être révoqué. Could not be revoked. Haman avait écrit la lettre. Haman wrote the letter de la destruction des Juifs. Of the destruction of the Jews. Il a mis le sceau du roi. And he sealed it. It could not be revoked. Ça ne pouvait pas être révoqué. What to do? Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Peut-être que vos ennemis ne sont plus. Maybe your enemies are no mais longer. Mais ces lois-là continuent à peser. But this law is still ces on lois you. Spirituelles, ces paroles maléfiques continuent à peser. Continue to weigh on you. The king said to Mordecai. Le roi a dit à Mardoché. I give you my ring. Je te donne mon anneau. Come on. The symbol of my dignity. Le symbole de ma dignité. The symbol of honor. Le symbole de mon honneur. Which is my identity. Qui a mon identité. Write whatever you want. Écris tout ce que tu veux. And put the seal of the king. Et mets mon sceau là-dessus. So that everything you will write. Pour que tout ce que tu écris. Will not be revoked. Ce ne sera plus annulé. So Mordecai wrote. Alors Mardoché l'a écrit. To all the Jews. À tous les Juifs. That they wanted to kill. On that day, ce jour-là, take the weapons, ils ont fight for your life. Et ils ont combattu pour leur vie. Other words, il a écrit d'autres mots contradict pour contredire what Haman said, ce que Haman avait and écrit. He sealed et il a scellé with the ring of the king. Avec l'anneau du roi. Like what I'm saying here, comme ce que je dis ici cannot be revoked. Ne peut pas être révoqué. And when he did that, et quand il l'a fait, on the day that they wanted to kill the Jews, le jour où ils voulaient tuer les they Juifs, could not kill them ils ne pouvaient plus les tuer. Because the Jews defended themselves. Parce que les Juifs se sont défendus. They were stronger. Ils étaient plus and forts. The Bible says, et la Bible déclare, in all the kingdom of Assyria, dans tout le royaume de Assyrie, they were fearing them. On avait peur d'eux. In these 5 or 10 minutes, dans les 5 ou 10 prochaines minutes, bear with me. Soyez patients. I want you j'aimerais que vous to declare. Vous déclariez. Every negative word toute parole négative which was spoken against your life, qui a été déclarée contre votre vie, replace it with positive words. Remplacez-les par des paroles positives. And say, et dites, I seal it. Je le scelle. With the blood of Jesus. Avec le sang de l'agneau. I seal it. Je le scelle. With the name of Jesus. Avec le nom de by Jésus. The power of the Holy Ghost. Par la puissance I du Saint-Esprit. And je déclare et je décrète that all the words que toutes les paroles and all the laws toutes les lois which were spoken against me, qui étaient déclarées contre moi, contre ma vie et contre ma destinée, they are revoked elles sont révoquées right now. Maintenant même.